Les murs du vestiaire d'Al Hilal ont tremblé lundi dernier. C'est en tout cas ce qu'ont révélé plusieurs médias arabes, mais également Sport Italia. Selon eux, c'est une passe d'armes verbale entre Neymar et Roré Jésus qui en serait la cause. Peu à son avantage durant le match de Ligue des champions asiatiques qui opposait lundi dernier son équipe au club ouzbek de Nafbaor Namangan 1-1, le « Ney » aurait eu droit à quelques remontrances de son entraîneur. Et cela ne lui aurait pas du tout plu. L'information relayée samedi par Mundo Deportivo indique que, suite au coup de gueule de Roré Jésus, les dirigeants d'Al Hilal ont rencontré mardi l'agent du tacticien portugais pour l'avertir d'un éventuel licenciement. Pour éviter cela, il a été demandé à l'entraîneur d'améliorer au plus vite les résultats de l'équipe. En Ligue des Champions, Al Hilal n'a pour le moment disputé qu'une seule rencontre et se classe deuxième de son groupe. À 2 points du leader, le club iranien de Nasaji Mazandaran. En championnat, Neymar et les siens sont également à la 2e place après cette journée, avec une seule unité de retard sur l'Al-Ittihad de Karim Benzema et N'Golo Kanté. Autant dire que la situation d'Al Hilal n'a absolument rien de dramatique, mais le statut de Neymar pourrait bien provoquer quelques remous.